Et bonjour, bonjour, amis du jour. Donc aujourd'hui en famille, et je vais vous montrer un petit peu, je m'enlève du, voilà, l'autre jour, je vais vous montrer un peu ce qu'on mange le matin, pas tout le temps, de temps en temps, quand il y a la famille qui vient, eh ben, on fait un repas un peu spécial, et quand il y a des fêtes aussi, on fait des repas un peu comme ça. Alors, je vais vous montrer, c'est de la viande crue, c'est du bœuf qu'on achète frais, donc l'animal a été tué, on va dire, dans la nuit, vers les, à partir de minuit, du moins, pour mettre plus précis, les animaux qui sont dans les abattoirs, on les tue à la tombée de la nuit. Voilà, ça, il faudra que je vous explique sur une autre vidéo pourquoi on fait ça, pour quelle raison et qu'est-ce qu'ils font avant de tuer les animaux, donc des prières, plein de choses comme ça. Sawalikrab. Et on tue la nuit, faut pas qu'on nous voie, parce que c'est pas bien de tuer les animaux. Et c'est vrai qu'une fois par semaine, on ne tue pas les animaux. C'est-à-dire, une fois par semaine, ni le poisson, ni le poulet, ni rien, on ne tue pas les animaux. Voilà, on respecte. Et là, on va faire la voie. La voie, c'est, on va hacher de la viande et je vais vous expliquer tout ça. Donc, je tourne la vidéo. Donc, ce matin au marché de Bonheur, 6h du matin, parce qu'après, il n'y en a plus. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en vente du bœuf. Alors, le bœuf, nous, c'est de la vache. Hein. On ne dit pas bœuf, on ne dit pas taureau, on dit vache. Et lap, ça veut dire couper, hacher un petit morceau. Lap, voilà. Donc, on va hacher cette viande-là. On va aussi, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le sachet. Dans le sachet, il y a aussi du sang frais. Il y a des morceaux de tripes. Il y a aussi la bile. Voilà. Et tout ça, ça va faire notre petit plat. On va le manger cru, tout cru. Et je vais vous expliquer et vous allez voir comment on le mange. Alors pourquoi, pour quelle raison on mange ça? Alors pourquoi on mange ça? C'est que le matin ça nous donne des vitamines. Alors les paysans, le matin, ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, ils vont acheter un morceau de viande, un petit morceau de viande comme ceci et là. Ils vont faire des petites tranches comme ça. Voilà. Et ils vont le manger avec un peu de sauce piquante. On va rester ici et on va voir la recette. Alors, les bactéries, parce qu'il y en a qui vont me dire oui. C'est cru, il va y avoir des bactéries, il va y avoir ci, il va y avoir là. Ici, il n'y a pas beaucoup de gens. J'ai jamais entendu parler d'une personne qui était morte de ça ou qui était malade de ça. Ça serait plutôt malade parce qu'il mange beaucoup de palapala. Et oui, dans le palapala, il y a des asticots. Donc ceci, on ne va pas manger tous les jours. C'est juste quand il y a la famille, comme là, mon beau-frère, mon autre beau-frère, ou quand il y a un mariage. Et encore dans un mariage, on va manger du... selon les mariages. Ça se fait de moins en moins, mais ça se fait quand même. Selon le mariage, si c'est un grand mariage, on va manger du buffet. Alors le buffet est très très cher. Pour quelle raison? C'est que un buffet, c'est sacré. Ça a travaillé toute leur vie. ต้มเกลือไม่ได้เกลือต้ม2 อันนี่
Oui, pues yo ya lo he leído. Se on, ¿qué te llame? Allez, on hache, on hache. Ça, on va le manger avec le riz cagnon. Donc, le prix du bœuf, c'est à peu près dans les 300 bahts le kilo. C'est pour ça qu'on ne mange pas souvent, parce que c'est assez cher. Car le porc, lui, il coûte 150 bahts le kilo. C'est un peu le scarpaccio, hein, si vous faites des petites tranches comme ça. Par contre, ce bœuf-là, on va dire le bœuf pour que vous compreniez, vous les Français, mais sinon, on ne fait pas des brochettes de bœuf. Parce que quand on fait cuire cette viande-là, même si elle est tendre, là, quand elle est crue, quand elle est fraîche, quand on la fait cuire, automatiquement, elle devient dure et on ne peut pas faire des brochettes. C'est trop dur. C'est très bon, bien sûr. Après, il y a des repas où on met des petits morceaux comme ça. On cuisine le bœuf avec des légumes. Ça, on peut le faire. Et c'est souvent en soupe. Alors, pourquoi en soupe? Parce que, justement, à la cuisson, c'est tellement dur que, finalement, si on fait une soupe, ben, ça va attendrir la viande. Donc, on va la manger en soupe. Sinon, le plus... Vous verrez, en Nissan, c'est cru. Alors vous allez me dire, il y a une machine qui peut hacher la viande, pourquoi tu ne prends pas la machine? Parce que le goût n'est pas le même. Franchement, c'est la vérité. Même moi, j'ai la machine à la maison. J'ai pris du bœuf, j'ai haché du bœuf avec la machine et c'est vrai que le goût, c'est pas le même. Car là, regardez, c'est juste coupé, c'est juste haché. Car avec la machine, ça broie vraiment. Et je pense que, justement, il y a quelque chose qui s'enlève quand on fait ça à la machine. Alors, bien sûr, il y en a qui vont le faire à la machine. Mais automatiquement, un Thaïlandais vous dira si c'est fait à la machine, juste au goût, hein, si c'est fait avec la machine ou si c'est fait à la hache, comme ça. Alors on peut faire aussi le canard comme ça, le lapette. On va prendre un canard, on va le désosser et on va justement faire hacher toute la viande du canard. Ça c'est excellent, c'est excellent. Sawadee krab, Paul. Lampadou. Lampadou. Pourquoi? L'empereur serbe. Allez, on hache, on va tout hacher. Donc on a aussi acheté quelques petites crevettes. Alors quand il y a la famille qui vient, c'est vrai qu'ils se partagent les courses, donc ça fait pas cher. Et on peut déjeuner. Donc là c'est le déjeuner. Les Thaïlandais ne vont pas dire déjeuner, ils vont dire manger. Et on ne peut pas dire qu'on fait 3 repas ou 2 repas, parce que finalement, on mange quand on a envie, on peut faire 3-4 repas dans la journée, il n'y a aucun souci. Alors, aussi, et ça je parle pour ma maman, cette viande-là, ceux qui ne la prennent pas crue, hein, Annie, c'est me dire. Quand il reste de la viande comme ça, ou alors si on en fait beaucoup, eh bien on va en faire une partie crue et une autre partie qu'on va faire cuire. Et cuit aussi, c'est bon. Et comme c'est haché, donc c'est pas dur. Alors là, il n'y avait pas de foie, sinon il y a aussi un morceau de foie qui est mélangé avec la viande. C'est-à-dire que quand vous prenez, par exemple, un kilo de bœuf, vous allez avoir ce que je vous ai montré, un peu de tripe, un peu de gras et un peu de
cœur, mais là, il n'y en avait pas. Ça aussi, le cœur, moi, j'aime bien parce que c'est tendre. Ça, par contre, oui, faire des brochettes de cœur de bœuf, oui. Je vais vous montrer. On y va vite. Je vais vous montrer le palapala. Et je vais vous montrer aussi... voilà. La katané, ça sent la mort. Donc tout ça, c'est des petits poissons qui ont été macérés et laissés dans des seaux comme ça. Et là, c'est cru, hein. Bien sûr, on va les mettre cru. Ça, par contre, il ne faut pas trop à manger. Donc on va faire ça et on va prendre le jus qu'on va mettre dans la papaya. Bon, moi, je suis habitué, question odeur. J'en mange aussi. Pas beaucoup, mais j'en mange aussi. Ici le poisson, ici on a pris un peu de crevettes pour les enfants, Léo adore ça. On continue à couper en morceaux le bœuf. Et là-bas, on est en train de faire les légumes parce que dedans, à l'intérieur, on va mettre des légumes. Je vais vous montrer un peu. Oh, c'est une assez longue vidéo. Voilà. Donc voilà, on va couper ça un petit morceau et on va le mélanger au bœuf avec du citron. Mais je vais vous montrer à mesure. Et là, ça, c'est pour accompagner justement la viande. Ici, on a toujours des légumes à manger. Je vais vous montrer aussi. Voilà. Du chou chinois. Et on va manger tout ça. Donc, je vais vous montrer à la fin. Et peut-être je ferai une autre vidéo parce que sinon, ça va être trop long. Et je vous montrerai vraiment le repas thaïlandais. Donc, continue à... couper et vous allez voir, on va mettre autre chose à l'intérieur pour que ça soit bon. Donc vous voyez, il n'y a pas de mouche. Donc après les billots de bois, on va les laver, bien entendu. On recuisine pas dessus, on recoupe pas dessus. Donc pour nous, c'est très important, les morceaux de bois comme ça. Hein. Ça se vend. Alors les paysans, comme je vous ai dit, ils mangeaient un morceau de viande. Ou alors, ils hachaient de la viande pour ceux qui n'avaient pas trop de dents. Et oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas de dents, les vieux, il leur manque beaucoup de dents. Et finalement, avant d'aller dans les champs, ils mangent, voilà, c'est mieux comme ça. Quand ils vont travailler, ils mettent ça dans leur bouche, ça leur porte de la vitamine. Alors le sang, faire attention parce que en Isan, et aussi en toute la Thaïlande, il y a ces fameuses soupes où c'est une soupe et dans le bouillon, on va vous mettre du sang. Alors c'est souvent du sang de bœuf, du porc pas trop, mais c'est souvent du sang de bœuf. Alors pourquoi le sang de bœuf? C'est que ça apporte vraiment beaucoup de vitamines et du fouet. Moi, j'évite de manger des soupes avec du sang, je mange que la soupe, mais je ne prends pas de sang. Parce que quand je prends cette soupe avec du sang, ça agit sur le cœur et vraiment ça. Vous avez les tympans là, vous sentez la clac, 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 clac. Donc il y a vraiment beaucoup de vitamines. C'est pour ça que les paysans, bien entendu, ils mangent ça. Allez, on retourne. Oh, oui. Ah, oui. Ah.
อุ้ยมื้อนี้ที่มักล่ะคือยูมลูกว่าให้กินข้าวเตี๋ยวว่าจอยเลยไปกินAllez, on continue notre petite recette du baptême. Donc ça, on va éviter de manger le soir et on va éviter de manger dans l'après-midi. Ça se fait le matin de bonne heure. Hein. Donc mon beau-frère qui, franchement, cuisine très très bien. Donc ici, c'est les tripes qu'on a fait chauffer dans l'eau. Ça, on verra après. Clé, clé, Ania. Ok. นี่แม่ใหญ่ทำงานปลาปลาล่ะบ่าตัวดูAlors cette feuille là c'est excellent c'est excellent c'est un peu le goût à la moutarde j'adore cette feuille d'abord ou on fait comme ça on va la hacher ou alors on la mange directement comme ça en bouche Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont venus avec moi ici en Thaïlande et qui hésitaient vraiment vraiment à manger de la viande comme ça. Voilà. Et quand ils ont goûté, ils m'ont dit, je ne mangerai pas tous les jours, mais c'est très très bon. Et votre viande à vous en Thaïlande, à Isan, eh ben, elle est très très bonne. Lap. Lap.นี่พี่สาวลูกสาวแม่มันคือบ่บินน่ะดูดูอ่ะเนี่ยแล้วมังกงนะสวัสดีนี่เล็กดูอ่ะเตยๆตื่นไปเออนอนหลับไม่เป็นไรไม่กินมันคือบ่บินต้องว่าละอันเปติเปอร์เอาดิเอามาปั่นอยู่ในกระสอแล้วเดี๋ยวเอาถ้าคุณก็อึดมันปลาก็คือหลายคือมันเหยียบเลยอ่ะมันไม่ได้เดี๋ยวDonc là, c'est vraiment, vous êtes immergé vraiment dans l'Isan. On assistera dans mes excursions, bien sûr, on va découvrir un peu tout ça dans les maisons, on va s'arrêter dans les jardins, on va faire plein de trucs, on va découvrir plein de trucs. Ce qui est prévu aussi dans mes excursions, c'est justement d'aller chez ma belle-sœur et manger une bonne soupe de canard ou une bonne soupe de poulet. Il n'y a aucun souci, il va y avoir vraiment des belles surprises qui vous attendent. Mais les surprises, ce sont vraiment les belles excursions et surtout, on va immerger vraiment dans la Thaïlande. Donc, on va continuer notre petite recette.Si vous avez plus de renseignements sur les excursions, sur ce que Eric Thailand peut vous proposer dans vos séjours, il n'y a aucun souci. Bien entendu, ce que vous voyez là, je le propose aux gens s'ils ont envie de goûter. Parce que vous êtes là aussi pour découvrir les choses. Et pas que découvrir, c'est aussi découvrir surtout comment ils mangent, pourquoi ils mangent ça et ainsi de suite.Je vous ai expliqué pourquoi on mange de la viande crue. Maman, je vais aller à la mienne, maman. Doudou, si, Annie, Annie. Non. Si, car, Annie. Alors, ceci, c'est notre secret. C'est notre secret de l'Isan. Venez ici à Nissan, achetez ce que je vous montre. Je vous dirai qu'est-ce que c'est.Au fur et à mesure. Ça,
c'est ce qui fait vraiment, vraiment la cuisine thaïlandaise. Et croyez-moi, quand je dis ça, vous allez faire des plats chez vous, et s'il n'y a pas ça, vous ne retrouverez même pas le goût de ce que vous avez mangé ici, même si vous faites pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le bœuf, on l'a mis dans la casserole. Le bœuf haché. Ici, le sang. On est des vampires, faites attention. Donc on n'a pas tout mis, par contre. Un peu de sel. C'est du sel. C'est du sucre ici. Alors c'est à l'œil, hein, c'est à l'œil. Un peu. เป็นอะไรล่ะเป็นแมงกะมีสมองเปล่าโอ้โหงั้นตอนร้องหนาวมันหนาวพออะไรหนาวที่ตัวนี้มะนาวมะนาวเอาเล็กหน่อยมากหนาวไม่เป็นป่ะมากกว่าน้องมะนาวบอกไอ้พระลูกไปอาบคุณลูกไปแต่ตอนนี้หน่อยมันเย็นหนาวมันเบลเอาเบลเบลกูไปใส่ละเอลิเบลเบลนี่ Alors ça aussi, ça fait partie de... Regardez. Alors, cette sauce-là a le goût un peu salé, un peu aigre. Là, on est en train de vider le jus des tripes, c'est-à-dire que les tripes on va mettre un peu d'eau. Ni quoi hein? Non pas mal hein? Le piment. Oui. Ni quoi ni. Ah ok ni quoi ni. Stop. On va manger que. Après mais kin. Non, Luca. Après mais kin bois. Et ni donc. Après kin pet. Voilà. Donc j'ai mis le piment et là j'ai dit de pas trop en mettre parce que comme j'en mange moi, je veux pas que ça soit vraiment piquant. Oh, c'est bien rouge avec le sang, c'est vraiment très très bon. Donc ici c'est une sauce qu'on fait à part. Hein. Vitamine. Il n'y a que des vitamines ici. Voilà. On y home. Manao. Manao non gida. Oui là. C'est quoi? Hein? Ni, voilà, ça c'est la sauce piquante. On va y mettre les herbes. Voilà, un petit peu. Alors, dans la composition de ceci, il y a aussi des feuilles de citronnier. Ouais. Ça aussi, vous pouvez cuisiner avec ça. C'est vrai que moi, je ne savais pas. Quand vous faites un gâteau, vous prenez des... et que vous avez par exemple, que vous n'avez pas de citron, et que vous avez des citronniers chez vous, ben, prenez des feuilles de citron. Allez, on va mettre du citron à l'intérieur de la viande. Seb. Oh, c'est bien. Allez, on continue la petite recette. Ça fait du bien de voir ça. Ben, je vais penser à vous. Alors voilà. Allez. Oh là là. Vous voyez ce qu'on est en train de mettre, la potion magique. En fait, c'est du riz qui a été cuit dans une poêle sans huile. Et après, on broie et on casse le riz.
on casse le riz, on casse bien le riz, et après on en met dedans. Nous on dit que c'est le poivre de Lissane. Au lieu d'avoir du poivre noir, ben on met ça. Après on peut mettre les deux. Mais ça donne un goût, ça donne quelque chose que vous ne retrouverez pas la même recette si vous ne mettez pas ça. Donc vous pouvez faire ça chez vous, il n'y a aucun souci. Mais ça sent très très fort quand vous cuisez les... Dis ? Voilà. Ça sent très très fort quand vous le faites. Alors, quand vous êtes avec Eric Thailand, achetez des petits sacs de riz comme ça. Voilà. Et on met des herbes. Oui, on met des herbes. Voilà. Donc, je vais... C'est bientôt fini. Là, c'est fini déjà. On va mettre ça. C'est ça. Et voilà. Allez, prêt à manger. Prêt à manger. On prend du riz. Voilà, du riz. On met la viande. La sauce piquante. Ça va? Alors, voilà, donc c'est très très bon. Allez, et regardez, vous avez la salade là-bas. On va mettre le riz ici, le riz cagnon, bien sûr, le gris, le gluant. Et on va manger. Et regardez, on est en famille. Il n'y a pas toute la famille, mais juste nous. Et voilà, le matin, on passe une bonne petite matinée à déjeuner ensemble, à rigoler. À rigoler avec les enfants, il y a les vaches qui sont derrière, il y a tout ce qu'il faut pour être bien et pour être vraiment heureux. Et regardez, on est tous heureux. La belle-mère, donc la grand-mère, va venir aussi. Le plus souvent, les grand-mères mangent à part. Bon, les grand-mères de Lissane vont au temple et mangent au temple avec les moines, avec leurs amis. Ça fait qu'elle va manger un petit peu là-bas. Et c'est tout. Et nous, on se met là. Les jeunes, on se met là. Allez, direction le repas. Je vous fais de gros bisous. Je vais faire quelques photos. Et je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo. Montrez aux gens comment on mange à Lissane. Comment on se régale. Et comment on vit surtout à Lissane. Très bonne journée à tous et à tous. Et pour ceux qui vont voir cette vidéo-là, qui sont de France... Ça sera le matin chez vous, donc je vous fais de gros, gros, gros bisous et bonne journée à tous et à toutes.